Hey, sorry, man. I am not meaning anything bad, yes? Still believe. Et salut à tous et à toutes, c'est Crazyman et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur LSPDFR. Donc voilà, on se retrouve pour une nouvelle petite patrouille en tant que cette fois-ci I Wake Up. Donc voilà, petit accent anglais au calme. Donc en tant qu'agent de l'autoroute. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des petits contrôles routiers avec mon petit radar et tout. Donc voilà, donc vous aurez certainement pu voir la petite intro. Donc je vais pas faire durer le suspense. Donc voici le petit bolide, donc la petite Lamborghini Aventador de police au calme. Donc attention, hein, c'est pas tous les jours qu'on sort la petite Lamborghini pour aller faire du contrôle routier. Bon, puisque ça, voilà quand même, elle a coûté assez cher à la ville de LA, enfin de Los Santos plutôt. Donc faut quand même en prendre soin. Donc pas tout le temps non plus être avec. Donc je vais arrêter de faire durer le suspense et tout, on va tout de suite se rendre sur les lieux. Mais avant, je tiens aussi à vous souhaiter une bonne année, j'ai failli passer à côté, oh là là. Donc je tiens à vous souhaiter une bonne année 2016. Donc voilà, on est début janvier et tout, j'espère que cette année sera meilleure que la précédente. Enfin, je vais pas rabâcher la même chose tout le temps, mais bon. Avec l'année 2015 qu'on a connue, je pense que 2016 peut-être que meilleur. Mais bon, voilà. Donc plein de bonnes choses pour 2016. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et voilà, donc sur ces mots, on est parti pour la patrouille. Donc la numéro, je ne sais plus combien. Je ne sais plus du tout. Donc ce qu'on va faire, bien sûr, c'est comme d'habitude. Hein, on va rester le maximum RP, comme d'hab. En tout cas, comme je peux l'être au maximum. Donc en tout cas, être à l'horizontale comme ça, ça fait pas trop. Voilà, parfait. Donc on est parti. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur une petite portion de l'autoroute, faire des petits contrôles avec mon radar. Et puis j'interviendrai sur quelques interventions qui me permettront de mettre à profit. Qui me permettront de mettre à profit la voiture. Hold up, on prend pas. En fait, j'hésitais un peu parce qu'en fait, je crois que la voiture juste avant a grillé un feu rouge. Ouais. Bon. Et ben, je pense que c'est tant pis en fait.
Bon, on va attendre d'être quand même sur notre petite portion d'autoroute et tout. Avant de pouvoir intervenir. Parce que sinon, on se rendra jamais sur le lieu. Et puis voilà. Donc. Ouais, on va se mettre. Je regardais vite fait. Ouais, on va se mettre par ici. On va se mettre dans ce coin-là. On verra ce qu'on a comme petit bout de route qu'on pourra faire, quoi, voilà. Donc aussi parlant de 2016 et des résolutions, malheureusement les miennes, ça sera pas de faire des vidéos plus souvent puisque j'ai pas forcément le temps pour en faire plus. Enfin, je vais quand même essayer parce que je sais que j'avoue que il y a beaucoup d'intervalles entre mes vidéos. Je vais essayer de réduire ça. Après, je promets rien du tout puisque je suis pas sûr de pouvoir vraiment tenir la promesse. En tout cas, j'essaierai. C'est déjà une grande chose. Donc je pense qu'on va jamais y arriver avec tous les feux rouges qu'il y a sur ce boulevard. Mais bon, en tout cas, on va essayer au moins. Je suis désolé aussi parce que j'avais dit à certains d'entre vous que ça aurait été une vidéo Firefighter du mode de GTA 4. Mais en fait, voilà, le petit problème c'est que GTA 4 en ce moment me fait un peu la gueule. Donc à base de pas de crash, mais de freeze et tout. Donc faut que j'essaye de trouver le problème et ensuite ça repartira. Et j'ai même mis aussi, j'en ai parlé sur Twitter pour ceux qui me suivent, d'une page Steam. Hein, qui permet de tous se regrouper et dont je fais partie bien sûr, sinon ce serait un peu con. Et comme ça on peut communiquer, se donner rendez-vous pour des parties si je dois faire des parties multijoueurs, puisque j'ai bien envie d'essayer quand même avec vous. Donc on verra ça, donc je vous mettrai le lien dans la description et vous pourrez essayer de me rejoindre en tout cas. Donc voilà, libre à vous, comme vous voulez. Bon, les bouchons, c'est bon là ? Je voudrais bien arriver. Puis je pense qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être se mettre en code 2 et partir. Ouais, on va faire ça. On va partir en code 2 et partir se mettre. Ah, d'accord, j'ai déjà loupé. Bon, on va passer là. Oh là là, oh le contresens. Oh zut. Bon. Pardonnez-moi. C'est la reprise. Enfin, c'est la reprise pour moi à chaque fois. Je me gourre à chaque fois, on va dire. Donc voilà, ce que j'ai dit, ce qu'on allait faire, c'est qu'on va se mettre en code 2, partir sur les lieux, puisqu'on n'est pas là avec tous les feux rouges et tout. On va passer une patrouille dans les bouchons. Ça va être cool. Attention all units, we've got a civilian in need of assistance in Pacific Bluff. Units respond code. Pour l'instant, j'ai pas forcément d'intervention sur. Qui me permettrait d'utiliser le bolide. On va attendre un petit peu. On va finir par en avoir peut-être. Ah, on a nos collègues qui sont postés juste ici. Ouais, c'est parfait, on a des renforts juste à côté. J'ai bien envie de me mettre ici, juste sur le bas-côté derrière le panneau, ça le fait. Ça fait un petit peu caché. Enfin, il y a juste une petite Lamborghini de police qui dépasse un peu, mais c'est pas grave. Donc ce qu'on va faire, hop, on va sortir le radar. On va monter à limitation de vitesse. Allez, à 100 km/h. 105, je veux pas être vache. Ils ont de la marge. Hein. Pire, je verrai que s'il n'y a pas trop d'infractions, on verra si on peut baisser un peu le kilométrage. En tout cas, pour l'instant, ça a l'air d'être au calme. Enfin, ça a pas l'air d'être mouvementé. Enfin, je vais baisser parce que j'ai l'impression que la limite de vitesse est inférieure. Quoi. On va mettre 80. On va flasher aussi que dans un seul sens. On va s'occuper que dans un seul sens des gens. Et puis voilà. Enfin, s'ils veulent bien faire des petites infractions. Non. J'ai l'impression qu'il y a de l'autre côté seulement qui veulent faire une infraction. Bon, on va baisser encore un petit peu. Voilà. Bon, là c'est trop. Ok, on a déjà une première voiture.
crois qu'elle est juste devant. Ouais. Par contre, le camion là. Ok. Sur le bas-côté, s'il vous plaît. Voilà, on va déjà s'occuper de quelqu'un. Hein, qui s'amuse à pas respecter les limitations de vitesse. Au pire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà faire une petite recherche de plaques. Donc, j'aurais besoin d'un petit contrôle de plaque pour une plaque immatriculée 49YVE222. Ouh, d'accord. En fait, on a une personne qui se serait évadée. Alors, hop. Alors, bonjour. Je vais vous demander vos papiers de votre véhicule. Enfin, votre carte d'identité, s'il vous plaît, et votre permis. Alors, Alexandre Pépineau. On va rechercher. Alexandre Pépineau. Pino. Ah ok, d'accord, majuscule. Alors Alexandre Pépino. Ok. Ah, j'ai les collègues qui sont là. Donc on va lui demander de sortir parce qu'en fait il est recherché. Donc monsieur, vous êtes recherché. Je me dois de vous arrêter, donc les mains sur la tête s'il vous plaît. Ok. Vous êtes en état d'arrestation. Vous êtes recherché par la police. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander des collègues. Et pendant ce temps-là, on va s'occuper aussi du véhicule. S'il vous plaît. Ok, voilà, parfait. Un petit dépanneuse qui arrive. C'est parfait. Ok, j'ai l'impression qu'on est parti, c'est bon. Donc, voiture embarquée, c'est parfait. Donc, alors, on a une personne ivre au volant qui est sur l'autoroute. Ça, c'est pour nous. Wow, wow, wow. Le mec qui... Quoi demander ? C'est une unité de renfort. Ok, ce qu'on va faire, je sais ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer devant lui. Aller déposer un système HERS. Hop. Ah bah, j'ai l'impression qu'il a été stoppé bien avant. Ok, il en approche. Ok, parfait. Ok, j'ai les roues du suspect qui ont été crevées, je répète. Les roues du suspect sont crevées. Donc maintenant, c'est bon, on n'a plus qu'à lui mettre un petit coup dans le pare-choc arrière et il devrait partir dans le décor. Ok, on s'arrête, on s'arrête. Ah, il est coriace, hein. Le mec, les pneus crevés, il continue. Allez, stop, on s'arrête. On va faire des petits coups de sommation.
j'ai aussi mis la petite dashcam sur en mode en plus, mode supplémentaire. C'est pas mal comme vision un peu. Ok, je pense que on peut intervenir. Descendez du véhicule. Ok, c'est parfait. Donc pareil, on va s'occuper vite fait du véhicule. Hop. Attention all units, we are code 4. No further units required. C'est parfait. Bon, et puis on va laisser nos collègues gérer la suite, hein. Et nous on va retourner tout doucement vers notre point, enfin vers notre notre lieu de contrôle, voilà. Bon, donc voilà, donc on s'est remis juste en place avec la petite dashcam au calme. On n'a plus qu'à attendre enfin un petit excès de vitesse. Donc là on signale une petite agression, enfin on va pas prendre, on va rester sur notre mission principale, donc, qui est de sécuriser l'autoroute. Bon, 101 km/h, je vais pas être méchant, on va attendre vraiment le petit, le méchant quoi, le petit méchant qui s'amuse vraiment avec la vitesse. Attention all units, shots fired in Pacific Bluff. All units respond, code 99 emergency. Donc, en même temps en étant, enfin en attendant un petit peu la faute, enfin, la petite infraction de vitesse, j'aimerais aussi vous annoncer le retour bientôt des patrouilles mais en tant que gendarme. Donc voilà, donc bientôt en tant que gendarme avec des nouveaux véhicules, de nouvelles tenues. Donc je suis assez pressé de vous les montrer. Donc et j'espère que... Enfin, ah. C'est bon, on a trouvé notre client. Donc j'espère que vous aussi, enfin, ça vous plaît et que vous êtes pressé d'en revoir. Hop, sur le bas-côté s'il vous plaît. Ah, des bouchons sur l'autoroute du coup. Ça les perturbe ma petite sirène. Ce qu'on va faire pendant ce temps là, c'est qu'on va demander une lecture de la plaque. Je vais tomber que sur des gens qui sont en infraction. En même temps, de base, ils roulaient trop vite. Bon, je crois que c'est juste un problème de d'assurance. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais sévir juste pour l'excès de vitesse. Donc, bonjour, je vous ai pris à plus de 120 km/h sur une zone limitée à 100. Donc voilà, vous avez une amende de $100 à payer, donc à payer immédiatement aussi. Donc voilà, donc $100. En plus, vous n'avez pas les ceintures, c'est parfait, hein. Ah, vaut mieux prévenir que guérir, hein, comme on dit. Ok, ça on prend. Donc on nous signale une ambulance qui vient de se faire détourner. Wow. La violence des collègues. Ok, qui est juste ici. Oh là là là, on se calme.
Ok. Ventre. Ventre contre le sol. C'est bien. Les femmes dans la police, hein, elles sont assez vénères. C'est les plus redoutables, faut faire gaffe. Ok. Ah ouais, ce qu'on va faire, c'est aussi, on va devoir demander un remorquage pour l'ambulance. On va pas pouvoir se dire de les laisser là. Et puis y'a que moi qui se soucie, mes collègues s'en foutent un peu. Hop. On va bloquer un peu la circulation derrière. C'est-à-dire que l'ambulance ne soit pas trop endommagée non plus. Ok, passez s'il vous plaît. Fermez derrière vous. Voilà, c'est parfait. Voilà, parfait. Et voilà les gens, donc on vient juste de faire un petit arrêt à la station service, on vient de se restaurer, on a fait le plein. Et par contre, on vient juste d'être appelé en urgence sur un appel, donc on a un avion qui vient de se crasher dans le coin. Et donc toutes les unités ont été demandées sur place, donc on va tout de suite se rendre sur les lieux du crash. Donc sans plus tarder. Donc, puisqu'on sait pas vraiment, on a eu des, il s'est crashé juste à côté de la zone militaire. Donc on va tout de suite aller voir ça. On a déjà des unités sur place normalement. Il y a les pompiers qui y sont. Enfin, j'ai pas encore eu plus d'informations à la radio. Et comme on a un véhicule d'intervention rapide, il y a moyen d'être assez rapidement sur les lieux. Normalement, ça se situe. Ah, ok, ça se situe sur la petite zone tout autour. Enfin, tout autour du complexe militaire. Donc, puis comme on était dans le coin, on pouvait pas se permettre de refuser l'intervention. Surtout qu'un crash d'avion, quoi. On doit avoir des pertes au niveau civil et des blessés. Donc, je veux dire, c'est les premières minutes qui comptent pour être assez rapidement sur place. Normalement, on devrait déjà avoir ce qu'il faut, tout ce qui est soins et tout. Je vais appeler quelques renforts après, une fois que j'arriverai sur les lieux. À moins qu'on ait déjà tout ce qu'il faut. Donc, on est bientôt arrivé sur les lieux du crash. J'espère que c'est pas dans la zone militaire. Pas. Ah bah d'accord. C'est dans la zone militaire. On va refaire un petit tour. Bon, en tout cas, la Lambo, est-ce qu'on vit aussi bien sur les routes que sur la terre? Donc je pense pas que ce soit vraiment le cas. Forcément vrai. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper par ici. C'est pas forcément le meilleur moyen. Mais bon, on a déjà perdu assez de temps en faisant le tour. Ah, je peux pas quitter la zone, j'ai besoin de me rendre. Je peux pas. Question de vie ou de mort. Ok, donc j'espère que, enfin, comme c'est dans la base militaire, peut-être qu'on a eu du soutien militaire, qui sait. Donc c'est peut-être un avion militaire, hein, tout compte fait. Copy
an ambulance requested in Fort Zancudo. All units respond. Code 99 emergency. Ok, on va devoir appeler aussi tout ce qui est médecin légiste. On a déjà quelques victimes sur place. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va servir de l'extincteur qu'on a de secours. Au cas où, près des victimes, pour pas que ça puisse reprendre feu à tout moment. Donc on a nos médecins légistes qui arrivent. Et heureusement que dans une autre vie j'ai été pompier aussi hein. Ok, ben les pompiers je pense pas qu'ils soient forcément venus du coup puisque le feu a été maîtrisé. Bon par contre pour évacuer ça alors là faudra pas compter sur moi. Okay. Ouais, du coup pour nous je pense que le travail était fait, on n'a plus besoin d'assistance. Malheureusement les blessés, enfin tout ce qui était blessé, enfin il n'y avait pas vraiment de blessés, c'est surtout des cadavres. Donc on a appelé les médecins légistes, ils ont intervenu. Et puis voilà, bah, nous on a fait tout ce qu'on pouvait faire, c'est-à-dire être le plus rapidement sur place, même si on s'est un peu trompé d'endroit. Bref, donc je pense aussi en même temps mettre fin à la vidéo ici, à cette patrouille. C'était une petite patrouille posée, faire quelques petites interventions en tant que, enfin voilà, en tant que agent de l'autoroute. Je sais plus comment on dit d'ailleurs. Enfin voilà, policier autoroutier, pareil. Donc voilà, donc on se retrouve bientôt pour une nouvelle patrouille. J'espère, et normalement ce sera sur. Enfin, avec en compagnie de la gendarmerie ou peut-être la police nationale. Je dois encore voir. Enfin, d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like, à rejoindre le groupe Steam aussi que je vous mettrai dans la description. Donc voilà, donc c'était Crazy Man et je vous dis à bientôt.